Alter Radio. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Voici sur Alter Presse un article qui offre des perspectives sur cette transition cruciale. Travaux d'Hercule pour un conseil présidentiel de transition. Ces conseils qu'a monté là, Kounien, 7 membres votants et 2 observateurs. Ils auront à abattre pas moins de 12 travaux d'Hercule après 3 ans catastrophiques, carrément l'effondrement, remonter la pente dans des conditions extrêmement difficile. Gardez seulement aspect insécurité avec violence. La capitale, environ 7000 morts, 90% de la capitale occupée par des gangs. Ce seront véritablement des travaux d'Hercule. Ça a demandé en pile courage. Il faudra aussi, et surtout, compter avec des qualités dont le héros de la mythologie gréco-romaine, Hercule, ne disposait pas. L'intelligence, la sérénité et la modestie. Voilà, pour mettre en perspective la transition, ce texte sur Alter Presse, travaux d'Hercule pour un conseil présidentiel de transition à consulter absolument. Alter Presse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpresse.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Presse, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpresse@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpresse et suivez-nous sur twitter.com/alterpresse. Alter Presse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpresse.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Vous êtes bien à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport. C'est le journal des sports nous qui passe à 6h30, 10h30 de la journée, minuit et demi, 4h30, 5h30 de la matinée et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de partout. Grand titre, la qualité sportive là sur le plan national, football, championnat spécial de D1. C'est le retour, 4e journée, match à retard ce mercredi entre le Racing Club Haïtien et l'América de Cali au Parc Jean-Christophe de Léogane. Volleyball, deuxième édition du tournoi, Nat Kembe Volleyball au CAI, à l'initiative de Bolide Volleyball Club, ce samedi au collège Pierre Corneille. L'équipe invitée, c'est JVC, Phoenix de Petit Guave, Ak Mahanaïm. Basketball 3 contre 3, tournoi de reprise dans la capitale, samedi dernier, sous terrain ancien collège La Matinière. Sans limite, bat Goss en finale 12 à 9. À l'étranger, tennis, tournoi de Madrid du 24 avril au 5 mai, grand favori. L'Académie Messieurs, c'est Sinner, Wood, Anticipas, l'Académie Damio, Ibakina, Sabalenka, Xuatek. Basketball NBA, Playoffs, deuxième victoire consécutive pour Denver, New York à Cleveland. Deuxième défaite consécutive pour Lakers, Orlando à Philadelphie. Football championnat d'Italie, 20e titre pour Inter Milan après victoire Ligue 1 lundi soir sous Milan AC.
Championnat de France, match en retard, 29e journée. Lorient, Paris Saint-Germain, ce mercredi à 1h, Monaco Lille à 3h. Football transfert, en fin de contrat, acte menacé. Olivier Giroud, joint un accord avec Los Angeles FC aux États-Unis. Euro 2024, du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Commission arbitre UEFA annonce liste 18 arbitres avec équipe qui retenu. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toutes nouvelles sous toutes sports sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive, d'abord sur le plan national, week-end qui se passe, c'était 4e journée, c'est le retour au championnat spécial première division. Fait marquant Junia, grâce à des buts de Steve Modestin et Clifford Louis, Real Hope Academy du Cap-Haïtien bat FICA 2-0 dans le groupe A dans le Parc Saint-Victor Cap-Haïtien pour les qualifier. Pour prochain 3, après 9 matchs joués, Real gagne 15 points. Devant AS Capoise, 11 points. Quitté au repos, 3e avec 10 points. C'est formation à la Medlan qui tombait de 3 dans Parc Vincent face à Racing Gonaïve qui à un certain moment tape mené 3-0. Dans le groupe B, à la Parc Level Saint-Marc, un match avancé, tempête, t'es fait première victoire dans la compétition. Après 5 matchs, elle était battue Union Sportive RIP Artibonicienne 1-0 samedi. Goal qui était marqué dans la première période là par Roberto Jean. Après victoire, ça, formation Belle Colonne, 4e avec 8 points. Devant ISR, 7 points toujours. N'a pas que Level, mais dimanche, Cosopolite bat Baltimore 1-0. Goal qui était marqué par Peterson Joseph Junior. Dans la 23e minute, malgré défaite là, formation 4-4 là. Il était leader, groupe B avec 12 points. Cosopolite 2e, Boukouni avec 11 points. Devant Triomphe, 9 points qui était au repos dans le groupe C1. Et c'est un groupe haïtien qui tape sur Juventus de Caille. N'a pas que Jacques-Christophe Léogan. Pas fait mieux qu'au match 0-0. Alors que l'Allemagne des Gabions au Caille, América bat Cavalier Léogan 2-0. Hens Clerget 35e minute. Fegens Clerville 85e minute. Marqué pour América. Victoire qui permet de Caille consolider première place là. Dans le groupe C avec 10 points devant Cavalier Léogan 6 points. Troisième, c'est Racing Global Haïtien 5 points. Quatrième et bon dernier, c'est Juventus Deca avec 2 points. Prochain match dans le groupe CA, c'est pour journée mercredi 24 avril. Là, n'a pas joué à Christophe Léogan, côté Racing Global Haïtien. Après recevoir América Deca, il n'a pas appelé à l'aller. Car il a été corrigé, vieux Lyon 5-0. L'Anlan Degabion, Okaï, n'a pas signalé pour rencontre ça journée mercredi 24 avril. Là, Racing Global Haïtien América, n'a pas joué à Christophe Léogan. Habite à Saint-Patrick Sénéchal. Fallon Jorisma, Olivier Jean-Philippe, Julio Georges, commissaire au terrain, c'est Luxon Zizi. À l'issue de premier tour, deux premiers trois groupes, il va accéder à la phase finale. Côté, il va repartir en deux, l'autre groupe de trois. Au terme de second tour, là, les premiers de ces groupes, il va décocher directement le billet pour la prochaine édition de la Ligue des champions de la CONCACAF. Ensuite, les deux deuxièmes de groupe, il va affronter en barrage pour déterminer le troisième représentant d'Haïti à la plus prestigieuse des compétitions de la CONCACAF au niveau des clubs. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. L'autre point, l'actualité sportive là, sur le plan national, la CONCACAF qui confirme le week-end sur le passé. Détail important sur la Ligue des Nations 2024-2025, 4e édition de la compétition qui va réunir. L'autre fois encore, 41 pays dans la zone. Tirage au sort qui va déterminer le groupe 3 Ligue. Va le faire lundi 6 mai à Miami, en Floride, à 7h du soir. Répartition équipe dans la Ligue ABC. Il va déterminer sur la base des résultats de la phase de groupe de la Ligue des Nations de la CONCACAF 2023-2024 qui inclut un système de promotion et de relégation. On a appelé en raison de mauvaises performances les saisons qui se passent. Haïti était relégué en Ligue B. Grenadio était fini 5e et avant-dernier dans le groupe BA avec 3 points suite à un bilan négatif, 3 matchs nuls, 0-0 contre Cuba, 2-2 à l'aller face à Jamaïque, 1-1 contre le Suriname et une défaite 3-2 face à la Jamaïque. Le match retour basketball 3 contre 3 grâce au support de la fédération et de la commission nationale de basketball 3 contre 3. Cacao 3 contre 3 était organisé samedi dernier sur le terrain de l'ancien collège La Martinière en tournoi pour marquer retour basketball là dans la capitale là. C'est la formation de Sans Limite qui a remporté le trophée, les libats en finale, Gosse 12 à 9. L'équipe Sans Limite était composée de Honoré Tienski, Gabriel Macrouzel, Ricardinho Réserve et Coriolan Stanley. En demi-finale, Sans Limite bat
Bagdou 18-16 alors que Goss s'est trouvé qualificationné pour la finale. Elle débat la formation de Power Vikings 13-12. Volleyball, pour nous clôturer l'actualité sportive là sur plan national, deuxième édition de NAP Kembe Volleyball au CAI a fait samedi 27 avril là dans le local collège Pierre Corneille dans zone Gabion à l'initiative de Bolide Volleyball Club. Un programme tournoi interscolaire, un programme non, un tournoi interscolaire, match de gala, show de badminton. L'équipe qui est invitée, c'est Phoenix Club de Petit Gouave, jeunes volleyeurs de Carrefour, JVC et Manaïm. Une petite pause, là nous retournons, nous allons aller à l'étranger. Voici sur Alter Press un article qui offre des perspectives sur cette transition cruciale. Travaux d'Hercule pour un conseil présidentiel de transition. Ces conseils qui ont monté là, Kounien, 7 membres votants et 2 observateurs, ils auront à abattre pas moins de 12 travaux d'Hercule après 3 ans catastrophiques, carrément l'effondrement, remonter la pente dans des conditions extrêmement difficile. Gardez seulement aspect insécurité avec violence. La capitale, environ 7000 morts, 90% de la capitale occupée par des gangs. Ce seront véritablement des travaux d'Hercule. Ça a demandé en pile courage. Il faudra aussi, hein, et surtout, compter avec des qualités dont le héros de la mythologie gréco-romaine, Hercule, ne disposait pas. L'intelligence, la sérénité et la modestie. Voilà, pour mettre en perspective la transition, ce texte sur Alter Press, travaux d'Hercule pour un conseil présidentiel de transition à consulter absolument. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux. Magazine et rubrique d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Selon Constitution 1987, là, souveraineté nationale la chita nan men tout citoyen ak citoyenne yo. Pourtant, nan société nou an, citoyen yo pa ramase pouvoir yo genyen pou choisi ak si veye l'état. Pendant l'état li menm gen tendance mette yo sou côté nan décision yo. Pendant ce temps, gen yon seri sekte mauvais intention kap kouri deye moun compétent ak conséquent ki nan pos important yo. Si nou kontinye kon sa, l'état ap fin tounen prisonnier yon ti groupe moun. Faut que nous fassions camper pour nous construire l'autre l'État. Faut que nous prenions engagement pour faire monde qui vient diriger l'État avec préparation, moralité et capacité pour respecter les règles de la démocratie. Qui donc, faut que nous signions un contrat pour que les gens qui prennent pour diriger les citoyens un rapport sur toute action opposée et sur l'utilisation des ressources publiques. GAF, Groupe Action Francophone pour l'Environnement, ensemble avec Alternative Haïti, Mouvement National Citoyen pour Climat, invitez tous citoyens et citoyennes engagés dans la bataille pour faire tout le monde qui voulait diriger le pays, depuis Kazek, magistrat, arriver dans le plus gros poste de responsabilité, signer un contrat pour transition écologique et sociale là, avant de jouer un bulletin vote nous dans quelle qu'il en soit élection sérieuse qu'a faite dans le pays. Changer le système là, pas dérégler le climat. Nan moman kriz ak moman la troubla y sa peyi d'Haïti ap viv la, malfekte ap profite fè swadizan enfòmasyon si ki le pou ka mete l'espri ou an bou la tcha, ba ou stres, fè ou pè pou yo ka manipile ou. Citoyen, citoyenne, se pou rete veyatif, veye fò nouvel, veye dezenfòmasyon, mache sou pinga. Nou bezwen enfòmasyon verifiye pou nou konstruy demokrasi. Medya, jounalis, sitwayen, an kanpe goumen kont dezenfòmasyon. Se yon misaj proje konbit pou bonjan demokrasi ak sipo Organizasyon Internasyonal Francophonie ak Union Européenne. Mesaj sa pa angaje ni Union Européenne ni Organizasyon Internasyonal Francophonie. Mes ami Dr. George, apam tande se kolera ki touye piye wo, te kwa mte tande maladi sa a te pase? Pase, madame Jean. Non mache, apre kolera te fin disparèt pendant yon bon bout de temps,
li retourne a faire des gars encore. Mais comment pour nous barrer choléra, docteur Georges? Ça facile. Depuis vous servi à l'eau traité pour boire et puis manger, lavez mais on à l'eau avec savon, si tout les saute dans toilette ak avant ou manger, choléra pas besoin de route pour entrer sous la barrer bien barré. Eh bien, pas de problème. Nous tout kon bagay sa yo déjà. Konn el se youn, mais est-ce que nous fait yo? Bon, nous fait ça nous capable. C'est pas fait ça nous capable, non? Yon sel grain fois compte pour choléra rentrer sous. Konn el se youn, mais c'est pour nous prendre précaution tout temps. Songe, choléra reparaît, c'est nous tout qui pour barrer. C'était un message MSPP ak partenaire yo. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Le monde de la communication vous intéresse? Vous rêvez d'un avenir meilleur? Vous voulez améliorer votre langage et votre capacité de communiquer? Le Centre de communication appliquée, Sénacom, est là pour vous accompagner. Le Sénacom est un choix intelligent en matière de communication, tout en s'axant sur l'audiovisuel. À Sénacom, nous avons les professeurs expérimentés dans le domaine. Une méthode adaptée à la réalité de l'heure, afin de former des professionnels pour une presse plus utile. Le Centre de communication appliquée Sénacom vous offre des cours en art oratoire, journalisme multimédia, journalisme sportif, communication française, animation et présentation radio-télé. À Sénacom, c'est surtout 80% pratique et 20% théorie. Le stage est garanti. Sénacom, c'est aussi des cours de vidéographie, photographie, montage vidéo, graphic design et technique de mise en onde. Sénacom se trouve au numéro 12, Rue Joule, Delma 33, à côté de CPEM, local du Centre pédagogique Frères Unis. Les inscriptions sont en cours pour la nouvelle session. Contact 36 26 45 44 55 40 53 18. Sénacom, une école pratique. Sénacom, le présent de votre avenir. Yo bro, t'es quoi dire si dame ça que j'aime vivre si dans ça. Bon, comment le faire en forme comme ça, mine? En tout cas, bro, elle est moins en forme, frère. Bah, privé non, papa. Pour qu'on soit pas capon. Cher. Bon, qui ça a dit là? Ou pas informé? On monde qui gagne vivre si là. C'est tant qu'on n'est pas maladie qu'on est qui? Tant qu'ou maladie que sick, tension. Et puis tout, depuis mon nan pied prend médicament, la mener vie familiale, aller l'école ak travail normalement oui. Crété Régine, comment fait comme toute bagaille ça yo? Maman le docteur oui, crété. Ou gen l'oublier. Et puis, mon informé en pile sou sujet a. Yo moun ki gen jèm sida, ki toujours bien prend médicament ARV sans camper. Après 6 mois sous traitement, li pa ka ba yo l'autre monde sida nan fait sexe. C'est un couvrir cela te disparaître dans sang. Oh. Disparaître dans sang même, ça veut dire, il pas gagné encore, il est toujours gagné. Mais grâce à ce médicament ARVO, quand c'était virus qui dans sang est tellement petit, test à examen laboratoire pas même river détecter. Mais faut qu'il toujours prend médicament ARV chaque jour et puis aller faire test là chaque 1 an. Information c'est gros causé. Pour moi depuis mon nan sida, la ville fini. Problème manque information ça fait nous faire en pile discrimination vraiment. Informe dans des timon. Yon ti kras VIH nan san égal zéro transmission. C'est un message ministère santé publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR ak USAID. Alter Sport. Actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive à Boukounia sous plan international, gagne la commission des arbitres de l'UEFA qui a annoncé jeudi mardi à la composition de 18 arbitres de leur équipe d'arbitres adjoints ainsi que des arbitres vidéo et des arbitres de soutien
qui bat en charge des 51 matchs de l'Euro 2024 en Allemagne, 14 juin au 14 juillet. De plus, comme pour l'Euro 2020 et dans le cadre de la coopération entre l'UEFA et la Confédération sud-américaine de football, la CONMEBOL, l'arbitre argentin Facundo Tello et ses deux assistants vont rejoindre le groupe européen. Alors, préparation est faite à Francfort en Allemagne à la mi-mai. La liste complète des arbitres sélectionnés pour l'Euro 2024, Arthur Suarez Dias, Portugal, Jesús Gil Manzano, Espagne, Marco Guida, Italie, Ivan Kovács, Roumanie, Ivan Kusliak, Slovaquie, François Letexier, France, Dani Makeli, Pays-Bas, Simon Marciniak, Pologne, Halil Omitamiller, Turquie, Genna Nyberg, Suède, Michael Olivier, bien Oliver, et Angleterre, Daniel Eossato, Italie, Sandro Schauer, Suisse, Daniel Sibert, Allemagne, Anthony Taylor, Angleterre, Clément Turpin, France, Slavko Vinkic, Slovénie, Félix Zouaer, Allemagne, et puis Facundo Tello de l'Argentine. Après rappeler que Euro 2024, là, va dérouler en Allemagne, 14 juin au 14 juillet, groupe A, gagne Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse, groupe B, Espagne, Croatie, Italie, Albanie, groupe C, Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre, groupe D, Pays-Bas, Autriche, France, Pologne, groupe E, Belgique, Slovaquie, Roumanie, Ukraine, groupe F, gagne Turquie, Portugal, République tchèque avec Géorgie. En match d'ouverture, l'Allemagne va recevoir l'Écosse le 14 juin à 3 p.m. dans le groupe A. Et puis le 15 juin, a gagné 3 rencontres. Hongrie-Suisse à 9h du matin, Espagne-Croatie à midi et puis Italie-Albanie à 3 p.m. Alter Sport, toute nouvelle sous toute sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité football là, toujours sur plan international en Italie, l'Inter Milan est venu lundi, deuxième club de l'histoire qui a remporté pour la 20e fois le titre de champion d'Italie. Les battent grand rival l'AC Milan, 2-1 pour la plus grande joie de leur tifosi survolté. Ni a Durio, Yote a Dugeo, à San Siro, le derby milanais dont l'AC Milan était officiellement l'hôte grâce à des buts de Francesco Acerbi, 18e minute, et Marcus Thuram, 49e minute. Réduction score là, c'est faite par Fikayo Tomori. 48e minute, en fin de match tendu, marqué par 3 expulsions, fait passer quelques frissons dans les rangs intéristes. À 5 journées du terme de la saison, il disposait donc avant de 17 points sur l'AC Milan. L'équipe de Simone Inzaghi est entrée dans l'histoire du Calcio. Avant lui, seul la Juventus a atteint en 1982 le chiffre 20 titres nationaux qui baillait à Bode sous Maioro, 2 étoiles dorées. La Juventus avec un total de 36 titres, compté 3 étoiles dorées. Toujours en Italie, Coupe d'Italie, demi-finale retour ce mardi 23 avril. Gagne la Juve qui bat la Juventus 2-1. Match aller, c'était 2-0 pour la Juventus. C'est Juventus qui est qualifié. Ce mercredi 24 avril, 3 p.m. Atalanta face à Fiorentina. Match aller 1-0 pour la Fiorentina. Grande finale, c'est pour le 15 mai. Championnat de France, match en retard de la 29e journée ce mercredi. 1h PM Lorient Paris Saint-Germain, 3h PM Marseille Nice, Monaco Lille, classement Paris Saint-Germain 66 points en tête, 2e Monaco 55 points, 3e Brest 53 points, 4e Lille 52 points, 5e Nice 47 points, classement buteur c'est Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain 24 goals et puis Jonathan David, Lille avec 17 goals. En Amérique du Nord, meilleur buteur de l'équipe de France, Olivier Giroud 57 goals, Lille mettait Lille d'accord avec Los Angeles FC, que le ballon rejoint cet été. Le champion du monde de 37 ans, fin de contrat avec l'AC Milan, il est engagé pour un an et demi. Il doit retrouver le club californien qui avait évolué dans le championnat nord-américain MLS à partir du 1er août. L'attaquant français, il va le retrouver au Los Angeles FC, son ami en équipe de France, l'ex-capitaine Hugo Lloris, qui était pris en retraite internationale après Coupe du Monde 2022. Giroud, Yaptan Lila, sur la pelouse californienne dès la fin de l'Euro. Qui va le faire en Allemagne, 14 juin au 14 juillet. Dernière ligne droite, journal d'espoir, amis auditeurs tennis, tirage au sort Masters 1000 Madrid, l'an effectué lundi, après que le reprend une compétition semaine dernière à Barcelone. Rafael Nadal, il va affronter le jeune invité américain Darwin Blank. Et 16 ans au premier tour, en cas de victoire, Libéral de nouveau, opposé à l'Australien Alex de Minaur, son bourreau en Catalogne. Par ailleurs, l'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial,
partager partie basse ce tableau avec Alexander Zverev, tandis que numéro 2 mondial a été de série numéro 1 tournoi en l'absence de Novak Djokovic, italien Jannik Sinner, lui avec le russe Daniil Medvedev. Basketball NBA duel entre New York et Philadelphie offrit décidément une grosse bataille 3 jours après coup de victoire 111 à 104 sous Sixers, Knicks, qui était fini deuxième dans la conférence Est après saison régulière. Là, ils le font encore, Goumen pour imposer 104 à 101 lundi soir lors du deuxième match playoff. Là, désormais, il y a peine de 2 victoires à 0 sous Philadelphie. New York est surtout compté, ils le font encore sous Josh Hart, 21 points, 15 rebonds, avec Jalen Brunson. 24 points de rebond, 6 passes décisives. Côté Philadelphie, un certain avant-contant, Tyrese Maxey finit avec une double-double, 35 points, 10 passes décisives. 9 rebonds, Joel Embiid, 34 points, 10 rebonds, 6 passes décisives. Troisième rencontre jeudi soir à 7h30. Deuxième victoire sans trembler pour Cavalier Cleveland, qui étouffait attaque Magic Orlando, 96-86, de Donovan Mitchell. 23 points déportés collectif Cavalier avec le jeune Jared Allen, 16 points, 20 rebonds. À l'image de son leader Paolo Banchero, 21 points. Ayon sous 4 de loin. Orlando a été 3 maladroits de loin. 9 sous 35 à 25,7%. Et pas assez menaçant dans l'intérieur là pour espérer mieux dans Ohio. Hein. Cleveland a mené 2 victoires à 0 avant 3e match en jeudi soir à 7h. Dans le dernier match soirée, dans l'autre fin de match intense, champion type là, Denver bat Los Angeles Lakers 101 à 99 grâce à un tir sous Bozoya de Jamal Murray. Et pour mener 2 victoires 0 dans le premier tour playoff là, Lakers doit réagir jeudi soir à la caillou pour le troisième match là. Anthony Davis, 32 points, 11 rebonds, était occupé début en contre là. Avant le show de King, le bon, omniprésent, 26 points, 8 rebonds, 12 passes décisives. Cependant, Denver, une autre fois encore, t'es compté sous magie Nikola Jokic pour retourner dans le contre là avec une triple double, 27 points, 20 rebonds, 10 passes décisives. Grand favori pour apporter le titre MVP, hein? Jokic confirmé belle formule. Après le premier match là, côté, il était réalisé une double-double, 32 points, 12 rebonds. Match qui a l'affiché mercredi 24 avril, toujours premier tour playoff en NBA, 7 PM, Boston-Miami. Boston a mené une victoire à 0. Il y a 9h30 PM ce mercredi, Oklahoma City, New Orleans Pelicans. Thunder a mené une victoire à 0. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toutes nouvelles sous toutes sports sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui te domine l'actualité sportive là sur le plan national, football championnat spécial de première division c'est retour 4e journée. Match en retard ce mercredi entre le Racing Club Haïtien et l'América de Cali au Parc Jacques-Christophe de Léogane. Volleyball, 2e édition du tournoi Napkembe Volleyball au Cali à l'initiative de Bolin Volleyball Club. Ce samedi au collège Pierre Corneille, équipe invitée c'est JVC, Félix de Petit-Gouave et Maraïm. Basketball 3 contre 3, tournoi de reprise dans la capitale samedi dernier, sous terrain ancien collègue la matinée là. Sans limite, bat Gosse en finale 12 à 9. À l'étranger tennis, tournoi de Madrid du 24 avril au 5 mai, grand favori, la Camille Seyo, Sinner Wood, Axisipas, la Camille Lamio, Ibakina, Sabalenka, Axuatek, basketball NBA playoffs, deuxième victoire consécutive pour Denver, New York, à Cleveland, deuxième défaite consécutive pour Lakers, Orlando, à Philadelphie, football championnat d'Italie, 20e titre pour Inter Milan, après victoire de 1 lundi soir sous AC Milan. Championnat de France, match en retard, 29e journée, Lorient, Paris Saint-Germain. Ce mercredi à 1h, Monaco Lille à 3h. Football transfert en fin de contrat avec Milan AC Olivier Giroud. Bienvenue à Coa Los Angeles FC aux États-Unis. Euro 2024, 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Commission arbitre UEFA annonce liste. 18 arbitres, c'est sur notre ça que nous mettons en bout dans l'Altes pour les amis auditeurs. Merci en pile pour fidélité. Merci à collaborateur Jules Sandewa qui est dans la réalisation. Hein. En micro, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1. Avec alterradio.org, édition journal ça la bienvenue en podcast, Alter Radio, sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify, et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles, sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org.
en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Alter Radio, l'y fait, iné. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince, sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press, depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio, depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. La Cour suprême américaine entend jeudi les arguments sur l'immunité pénale invoquée par Donald Trump en tant qu'ex-président, un dossier dans lequel tant la rapidité que la substance de sa décision pourrait peser lourd dans la campagne électorale. Car en décidant le 28 février de se saisir de cette question, la plus haute juridiction du pays a encore différé la tenue du procès fédéral de l'ex-président républicain pour tentative d'inverser illégalement les résultats de l'élection présidentielle de 2020 remportée par le démocrate Joe Biden. Visé par 4 procédures pénales distinctes, Donald Trump cherche par ses multiples recours à passer en jugement le plus tard possible, en tout cas après le scrutin de novembre. Son procès à New York pour paiement suspect lors de la campagne de 2016, qui a finalement débuté le 15 avril, pourrait être le seul à connaître un dénouement avant le vote. L'affaire probablement la plus grave, le dossier fédéral pour l'élection de 2020, instruit par le procureur spécial Jack Smith, est suspendu jusqu'à ce que la Cour suprême tranche sur cette question d'immunité pénale d'un ancien président. La défense affirme que sans une telle immunité, un président ne pourrait pas remplir correctement ses fonctions et que jamais aucun des prédécesseurs de Donald Trump n'a été poursuivi pénalement. Europe, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont annoncé mardi avoir commencé la délimitation de leurs frontières communes, un pas important pour ces deux pays du Caucase qui se sont opposés lors de plusieurs guerres sur des questions territoriales. Le ministère de l'Intérieur azerbaïdjanais a indiqué dans un communiqué que des groupes d'experts procédaient à la clarification des coordonnées sur la base d'une étude géodésique du terrain. Le ministère de l'Intérieur arménien, qui a confirmé des travaux de délimitation de la frontière, a lui exclu le transfert de toute partie du territoire souverain de l'Arménie à Bakou à la suite de ce processus. Le mois dernier, le premier ministre arménien Nikol Pachinian avait lui accepté une demande de Bakou de lui restituer 4 villages frontaliers saisis par les forces d'Erevan lors d'une guerre dans les années 1990. Cette décision a suscité des manifestations de centaines d'Arméniens dans une région frontalière de l'Azerbaïdjan qui craignent leur isolement et que certaines de leurs maisons se retrouvent sous contrôle de Bakou. Afrique, plus de 50 000 personnes ont été déplacées par des combats dans une région disputée du nord de l'Éthiopie, a affirmé l'ONU une dizaine de jours après le début d'affrontements entre des combattants des régions du Tigré et de l'Amhara.
Le nombre de personnes déplacées par les affrontements armés dans la ville d'Alamata et les Ruedas de Raya Alamata, Zata et Ofla depuis les 13 et 14 avril a atteint plus de 50 000, a déclaré l'Agence humanitaire de l'ONU, OCHA, dans un rapport publié lundi soir, citant les autorités locales. Environ 42 000 d'entre eux ont fui vers le sud, notamment autour de la ville de Kobo, et 8 300 vers la localité de Sekota au nord, détaille l'OCHA en soulignant que la majorité des personnes déplacées